Vous venez d'entendre l'Allemande, qui était un extrait de la partita numéro 1 en si mineur de Jean-Sébastien Bach. Alors, c'est interprété par Émilie Germain, qu'on accueille à l'instant. Bonjour, Émilie. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Tu as commencé tes études de violon à quel âge? À 8 ans. Qu'est-ce qui a suscité ton intérêt? Ça a commencé à l'âge de 4 ou 5 ans que je voulais commencer à jouer du violon. Sauf que mes parents ont entendu que je sois un peu plus vieille, voir si c'était juste une petite passe, là, comme tous les enfants qui veulent apprendre la musique. Là.
Mais j'ai persisté, puis à 8 ans, j'ai eu des cours de violon. Tes professeurs à ce moment-là, c'était qui? Hélène Arbour, oui. Au Conservatoire d'études musicales à Boucherville. D'accord. Puis ensuite de ça, je suis allée avec André Hazard. Tu t'es retrouvée au cégep en musique? Oui, à Vincent Lindy. Puis à ce moment-là, tu étudiais avec quel professeur? Avec Claude Richard. Ah, d'accord. Ouais. Un autre grand professeur de notre région. La différence entre André Hazard et Claude Richard, qu'est-ce que ça serait? C'est deux personnalités totalement différentes, oui. Je trouve. Parce qu'André est très, très perfectionniste. C'est elle qui a vraiment tout corrigé, ma technique. Puis Claude, je dirais que lui, c'est plus dynamique. Okay. C'est plus l'émotion, la couleur dans le son, la perfection aussi. Là. Les oui, profs sont toujours sûr. Comme ça. Mais ouais, c'est plus l'émotion, je dirais, le dynamisme. Ah, tu as 21 ans, c'est oui. ça? Est-ce que tu te prépares, entre autres, pour le concours de musique du Canada? Oui, ça, j'aimerais oui. ça, c'est sûr. C'est oui. sûr. Là, j'ai le concours de Sorel Tracy oui. que j'aimerais m'inscrire pour cette année. Oui. Je finis mon bac cette année, donc okay, je me concentre aussi. Il y a ça aussi, d'ailleurs. C'est ça, je me concentre beaucoup, beaucoup là-dessus. En dehors du violon, complètement, là, on sort là, de notre élément là, musical. Quand tu veux vraiment là, changer d'idée, qu'est-ce que tu fais? Du sport. Du sport, ouais, OK. Totalement différent. Ouais, oui, bien, c'est important parce que c'est très cérébral. Là, quand ouais. on joue de la musique, il faut penser, il ouais. faut mémoriser, c'est technique. Alors, quel genre de sport? L'hiver, je fais surtout de la planche à neige. OK. Puis aussi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps le paraski. Avec une espèce de grosse toile oui. qu'on se fait tirer par le vent sur des skis, ah, sur d'accord. un grand terrain. Ça doit être excitant? Ah oui, oui, oui. Très. Mais t'as pas peur pour tes bras quand tu fais ça? Bien, c'est ça, la planche à neige, j'avais un peu plus peur. Mais les paraskis, c'est pas comme ça, vu qu'on a une toile, c'est plus... ça amortit un peu. Oui, ouais, c'est moins dangereux. Ouais. C'est comme être en parachute en ski. Oui, un peu, c'est ça. Et puis l'été? Au chalet de mes grands-parents, en fait, on va faire du ski nautique ou du okay. wakeboard. Alors vraiment, t'as besoin de ski? Oui, c'est ça. C'est bien. Alors, écoute, je vais te souhaiter beaucoup de succès dans tes études avec ton bac qui se termine très, très oui. bientôt. Félicitations. Merci et beaucoup. Merci beaucoup.